Alors actuellement, je suis affecté à la régulation du 15 et donc je participe avec les collègues du SAMU à répondre aux appels, à orienter les personnes malades vers les bons endroits. Quelle est la situation en ce moment à Strasbourg ? On peut dire qu'on est probablement dans une stabilisation. On ne peut pas encore parler de baisse, hein. En tout cas on n'a pas assez de recul pour pouvoir parler de baisse, même si on a l'impression que les chiffres diminuent. C'est pour ça que le confinement pour le moment, qui est notre seule arme, hein, donc doit continuer de se poursuivre. Mais on a l'impression qu'on est au moins sur une stabilisation. Après, on a parfois vu qu'en Italie ou en Espagne, on a eu des phases de stabilisation et puis que les choses sont reparties à la hausse. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, arrêter le confinement maintenant. Et on aura besoin probablement peut-être d'une semaine de chiffres pour pouvoir affirmer une tendance qui deviendrait une tendance lourde. Ça ne changera pas les choses forcément au niveau national, puisque on a un peu d'avance sur le reste du pays, et ce que nous avons vécu, d'autres régions risquent, alors pas toutes les régions, mais d'autres régions risquent de le vivre. Vous avez commencé par parler du confinement. On voit que c'est vraiment le sujet d'actualité en ce moment, parce que vous avez le sentiment qu'il y a un relâchement ou... Non, je juge pas. J'ai pas de. Je pense que les gens ils font du mieux qu'ils peuvent. Hein. C'est pas. Il s'agit juste de donner les bonnes informations aux gens. C'est que tant qu'on n'a pas assez de tests aujourd'hui pour pouvoir tester, tant qu'on n'a pas assez de masques et tant qu'on est en phase épidémique où il y a des gens qui meurent tous les jours, je pense que le confinement reste pour l'instant la seule arme dont nous puissions disposer. Et donc chacun, en participant au confinement, protège non seulement soi-même, mais protège ses proches, protège ses amis et protège l'ensemble des personnes qui font notre communauté, quoi. Est-ce que vous pouvez me donner une journée type de votre travail, du départ jusqu'au retour à la maison ? J'habite à l'Esplanade, et la régulation du 15, c'est au parc des Forges. C'est d'abord 20-25 minutes de vélo, ce qui est bien parce qu'on a un peu d'activité physique en ce moment. Donc j'arrive là-bas et puis je m'installe un poste. Il faut dire que je suis nouveau là-bas parce que ce n'était pas mon poste d'affectation. Donc c'est aussi une facette du métier d'urgentiste que je découvre. Hein. C'est un challenge qui est intéressant. Donc du coup, je mets un écouteur, je me mets devant les écrans et je prends les appels avec les autres collègues qui régulent. Et donc je réponds aux appels qui sont d'ordre très différent. Il y a des gens qui veulent des conseils, il y a des gens qui ont des vrais problèmes et qui nécessite d'être hospitalisé ou d'orienter vers un effecteur de soins. Et comme aux urgences intra-hospitalières, l'un des challenges et l'un des éléments les plus durs, c'est donner la bonne réponse. Parfois, au téléphone, c'est difficile de juger de la gravité d'une situation. Et ensuite, essayer de faire en sorte d'utiliser les moyens à notre disposition à bon escient. Je m'explique, si vous envoyez tous les transporteurs à chaque fois que vous avez un appel, à un moment donné, quand vous allez avoir un appel qui nécessite absolument un transporteur ou des moyens de réanimation, par exemple un arrêt cardiaque, mais si vous avez envoyé tout le monde dehors, et ben à ce moment-là, vous ne l'avez pas. Et donc, il y a une sorte de gestion de flux en permanence à faire entre les moyens dont vous disposez, les moyens qui sont de sortie et les appels qui arrivent, et où il faut parfois juger avec les moyens que vous avez, quoi. C'est une gestion de l'urgence de manière permanente. Et c'est une facette du métier que je connaissais de loin, mais que je pratique aujourd'hui. Et je vois que la régulation médicale est un métier qui est très très difficile. Mais heureusement, en France,
qu'on a la régulation médicale, je pense que c'est un système qui permet de sauver des vies, de sauver... parce que par exemple, pendant le coronavirus, les gens qui font des infarctus, ça ne s'arrête pas. Les gens qui font des AVC, ça ne s'arrête pas. Et heureusement qu'on a un système de régulation qui permet à ces patients-là d'être orientés le plus rapidement possible vers les centres de soins adaptés. On sait qu'au niveau national, mais au niveau local aussi, les moyens ont été complètement démultipliés ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors, pour donner une ordre d'idée, en comparaison avec ce qui se passait avant, on en est où? Quand on regarde les hôpitaux universitaires de Strasbourg, hein, tout a été, tous les soins non urgents ont été déprogrammés. C'est-à-dire que une bonne partie de l'activité d'un certain nombre de services, pour certains services, la majeure partie de l'activité a été réduit à néant. Les lits qui étaient habituellement affectés à des services de soins ont été transformés en des lits Covid. En nombre de lits de réanimation, de 100 potentiels, on est passé à presque 200. Et donc on voit qu'il y a une capacité d'adaptation de l'institution qui est quand même une bonne capacité. C'était déjà arrivé dans l'histoire à Strasbourg ? Non, des vrais plans blancs, on en a connu quelques-uns pendant l'attentat, quoi, on en a connu. Après, pour nous qui étions aux urgences, qui vivions une tension et une crise permanente, on a l'impression que là c'est la première crise où les choses bougent vraiment de manière structurelle à l'intérieur de l'institution. En tout cas, c'était une bonne nouvelle, une bonne surprise de constater que l'institution avait les capacités de s'adapter, qu'il y a une forte solidarité dans la communauté hospitalière qui s'est mise en place avec des gens qui n'avaient plus de travail parce qu'il n'y avait plus de malades, donc ils sont allés aider dans les services où il y avait les besoins. Par exemple, au SAMU, il y a une plateforme de régulation spéciale Covid qui s'est mis en place avec des médecins urgentistes certes, mais aussi des médecins qui viennent d'ailleurs, du reste du personnel soignant, des étudiants dans les filières de santé qui viennent également aider, et beaucoup beaucoup de solidarité de l'extérieur, ça vous le voyez tous les jours. Alors il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui nous amènent des repas, il y a des entreprises qui donnent ce qu'ils ou elles peuvent donner, donc il y a un énorme élan de solidarité et finalement une certaine de résilience du système qui s'est installé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment vous voyez les prochains jours, les prochaines semaines ? Il y a d'abord à court terme de pouvoir sortir de cette crise, c'est-à-dire essayer de jauger vraiment pendant combien de temps on va avoir des malades très graves, essayer de designer des services d'aval pour ces patients-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire trop rapidement les capacités au cas où il y a une seconde vague, ou alors il faut avoir anticipé comment on met en place les choses très rapidement à partir du moment où s'il y a de nouveau un rebond d'activité du virus. Ça veut aussi dire que sur le plus long terme, il va falloir qu'on apprenne à dépenser de l'argent pour notre système de santé sans être dans une logique de rentabilité. Ça veut dire qu'il va falloir accepter par exemple de dépenser de l'argent pour du matériel jetable qu'on va
jeter une fois que la date limite, la date de péremption est passée. Chaque année ou tous les X années recommencent cette dépense. C'est les réserves stratégiques de masques, de blouses, de solutions hydroalcooliques, de tests parfois. Donc c'est des dépenses qu'il va falloir accepter de faire. Et puis à plus long terme, mais pas si long terme, il faudra rompre avec la logique budgétaire qui a été la logique des dernières années. Je pense que c'est plus possible. Quand on a entendu les propos du directeur de l'ARS, on dit mais il y a des gens qui n'ont pas compris ce qui se passe actuellement. On voit bien que en Allemagne, le nombre de lits de réanimation est trois fois plus élevé que la France. On voit bien que le nombre de lits pour 1000 personnes, on est à 8 lits pour 8 personnes, pour 1000 personnes, alors qu'en France on est à 5,9 et que dans d'autres pays on a encore moins. Donc à un moment donné, on voit bien qu'est-ce qui fait que on a moins de morts d'un côté ou de l'autre. Donc il va falloir redépenser de l'argent en matière de santé. Il va falloir redire aux gens que ça coûte d'avoir un système de santé performant, un système de santé qui est ouvert à toutes et tous de manière égalitaire, et qu'il va falloir dépenser de l'argent là, il va falloir peut-être enlever de l'argent ailleurs, ou il va falloir peut-être payer plus d'impôts, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faudra mettre plus d'argent. Et il faut que la santé redevienne une question politique et qu'on arrête de le confier juste à des techniciens qui vont venir vous dire il faut dépenser tant d'argent, il faut fermer tel service, il faut, je veux dire, ça fait quand même 20 ans qu'on assiste à ça, ou 30 ans, donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Par rapport à la question des masques, des gants, des blouses jetables, etc., on a vu que c'était un gros problème la semaine dernière. Est-ce qu'on peut dire que ça va mieux ou que le problème se règle? Alors, sur l'hôpital, moi, dans ma pratique quotidienne, on a eu la crainte, mais on n'a jamais ressenti de... On a eu de la crainte, et parfois des périodes de tension, mais jamais de manque. C'est-à-dire que tous les jours, quand on allait au travail, on avait les masques pour pouvoir travailler. On avait les masques, on avait les gants. Ce qui commence à manquer actuellement, c'est les blouses déperlantes ou les blouses étanches qu'il faut. Il y a presque plus, en tout cas un stock très, très réduit, il y a une tension très très forte. Pour ce qui est des solutions hydroalcooliques, c'est fabriqué par l'Université de Strasbourg et par la pharmacie des US. Donc là non plus, il n'y a pas de manque aujourd'hui. En ce qui concerne idem, les médicaments pour les réanimations, les curares, tout ça? Il y a de la tension forcément, puisqu'on utilise beaucoup plus de médicaments. Il faut savoir que les malades en syndrome de détresse respiratoire aiguë sur les pneumopathies à Covid restent plus longtemps intubés et ventilés que les autres. Donc pas forcément, vous avez des médicaments qui sont plus utilisés. Donc il y a une tension qui commence à naître, mais je pense une tension qui va être mondiale. Parce qu'en fait, c'est partout où ces médicaments sont utilisés. Et la vraie question à poser, c'est est-ce qu'on a la possibilité de les reproduire dans le pays, quoi, en fait. La vraie question est là. Est-ce que dans le pays, on a des capacités de produire un certain nombre de médicaments qui sont des médicaments vitaux? Est-ce que ces capacités, il faut que chaque pays les ait? Parce que pour être résilient, il faut qu'on puisse avoir ces médicaments-là. Quoi. Et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on n'est pas le cas encore aujourd'hui en France, à un moment donné, on puisse pas soigner les gens parce qu'on n'a pas assez de médicaments. Quoi. Il aura fallu que cette crise arrive pour qu'on se rende compte de ça? Je ne sais pas. On a quand même, à l'hôpital, ça fait quand même quelques années qu'on dit que ça ne va pas. Il y a quand même les deux dernières années, il y a quand même eu des mouvements sociaux d'ampleur quand même. Il y a pas très longtemps, il y a encore quelques mois, on a fait je sais pas combien de grèves, ça fait un bout de temps qu'on dit les choses, mais c'est qu'un bout de temps on sent qu'il n'y a personne pour l'entendre, et même s'il y a une sympathie générale dans la population, la preuve, on nous applaudit tous les soirs et tout, et je suis pas sûr que tout le monde comprenne les implications de tout ça, en fait, quoi. Je suis pas sûr que demain, après avoir applaudi et après avoir donné de l'argent, envoyé des repas, envoyé plein de choses, avoir fait des masques, des choses, des gestes de solidarité, après on oublie, quoi. Il faudrait qu'on garde la mémoire de ça, et il faut que, pour garder la mémoire de ça, ça veut dire que il faut qu'on accepte qu'il y a des domaines dans lesquels ça peut pas être le marché, ça peut pas être le budget qui décide, il y a des domaines qu'il faut sortir, la santé en fait partie,
comme d'autres domaines, je pense à l'éducation, mais en tout cas la santé peut pas être quelque chose qui est du domaine du marchand. Et si on veut sauver des vies, il faut qu'on accepte de dépenser plus d'argent. Et dépenser plus d'argent, ça veut dire changer de priorité. Mais ça peut être intéressant qu'on ait un débat tous ensemble pour dire c'est quoi la priorité pour nous, quoi, en fait. Parce que c'est des questions qu'on se pose jamais. Quand vous allez regarder un débat d'élection présidentielle, personne ne parle de santé. À aucune élection présidentielle, ça a été un sujet important. Pourtant, la santé, c'est tout le monde. Je veux dire, c'est vous, c'est moi, c'est nos proches. On va tous aller à l'hôpital, on va tous aller aux urgences un jour. On aura tous besoin de médicaments, de soins, de personnels qui sont bien rémunérés, qui arrivent à faire leur travail correctement. Pourquoi on n'en parle pas? Donc le vrai truc, c'est est-ce qu'après, ça va changer? Moi, j'espère que ça va changer. Qu'est-ce que ça vous fait, les gens qui considèrent aujourd'hui les infirmiers, les médecins, tous ceux qui continuent à travailler en fait comme des héros? Je ne sais pas s'il faut des superlatifs. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mes collègues, notamment les médecins, certes, mais aussi les infirmières, les aides-soignants, les ASH, tous les petites mains qui font que l'hôpital marche, parce que quand on regarde les médecins, ils sont moins payés que le reste, en tout cas un certain nombre de pays européens, notamment les Allemands, mais quand on regarde les infirmières, elles sont vraiment payées pas ce qu'il faut, quoi. Pas à la hauteur des responsabilités. Donc s'il devait y avoir un geste, il faudrait revaloriser tout de suite le salaire des infirmiers et des aides-soignants. Je veux dire, ça doit être quelque chose de rapide. Pour les médecins, ça peut être dans un second temps, même s'il le faudra. Mais d'abord les infirmiers et les aides-soignants, je pense que... Et puis, dans l'hôpital, faire en sorte que on n'ait pas tout le temps cette tension budgétaire. Je veux dire, qu'à l'hôpital, on parle d'autre chose que de budget, quoi. Je veux dire, comment on va bien soigner, comment on va bien prendre en charge les gens, comment les matériaux qu'on a, les locaux qu'on a sont adaptés à la bonne prise en charge des gens, comment l'établissement ne produit pas de la maltraitance involontaire, mais parce que il n'y a pas assez de budget, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce que les flux sont trop tendus, qu'on reparle de ça à l'hôpital et qu'on arrête de nous parler de budget. Genre, moi, je trouve hallucinant que dans ce pays, on a un objectif de dépenses de santé. C'est quand même complètement débile de dire qu'on va dire de manière arbitraire les dépenses vont augmenter de temps, alors que on devrait augmenter les dépenses par rapport aux besoins. Dire, qu'est-ce que vous allez dire quand vous avez de l'argent pour dépenser? Je vais dire les choses, c'est de manière simpliste, caricaturale, mais ça viendrait à dire que vous avez de l'argent pour soigner X AVC, mais le X plus 1, vous n'allez pas le soigner parce que vous n'avez pas assez d'argent. Si, je comprends pas qu'un jour il y a des gens qui se sont mis autour de la table et ont dit on va faire ça. Moi, je comprends pas. Est-ce qu'il y a 3-4 mois, vous auriez cru le système de santé français capable d'une telle métamorphose? Il y a 3 ou 4 mois, on n'a jamais pensé vivre quelque chose de ce genre. Quand les choses ont commencé en Chine, ça nous a paru à toutes et tous très très lointain. On avait bien sûr les alertes qui arrivaient, on avait des conduites à tenir si tel patient se présentait de tel endroit. Mais on était tous très très loin de penser que ça pouvait se reproduire. Et on ne savait pas qu'il y avait une capacité de résilience de l'hôpital qui était aussi importante.
Ça, je vous l'ai dit au début, là, c'est vraiment une très très bonne surprise pour moi. Ça veut dire qu'on a des institutions qu'il faut préserver. Et là-dedans, bah, l'hôpital est capable de faire l'autre bonne nouvelle sur notre territoire, c'est que bah, les institutions privées, les cliniques privées, ont joué le jeu en accueillant des patients dans les services d'urgence, en accueillant des patients Covid malades et en ouvrant des lits de réanimation aussi. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Et puis la solidarité, elle a joué avec d'autres régions, puisqu'il y a des malades qui ont été envoyés ailleurs. La solidarité a dans joué... Dans d'autres pays même. Outre-Rhin, voilà, et en Suisse aussi, je crois. Donc c'est quand même intéressant de dire que ben, il y a de la coopération qui est possible, finalement. Et coopération qui s'organise de manière assez rapide, de manière assez efficace. De la solidarité s'est mise en place dans les institutions, entre les différents établissements, entre les différentes situations d'une même région, avec d'autres pays. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que s'il y a des enseignements sur les bonnes pratiques à retenir, c'est qu'on est capable, un, de s'adapter finalement assez rapidement, toutes et tous. Ça, c'est une bonne nouvelle sur la capacité de résilience d'un territoire. Et ensuite, on est aussi capable de solidarité. Mais toute la question, ça va être l'après, je veux dire, parce que là, on est dans la phase aiguë. Cette phase aiguë, elle va disparaître. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ce que ça va produire de détresse sociale, économique, psychologique. Tout le monde répète cette phrase de... cette phrase qu'on attribue, c'est pas la même sa formulation exacte, hein, de Gramsci, hein, qu'on est dans un entre-deux, dans un clair-obscur et on ne sait pas ce qui va en sortir. Hein. Il peut en sortir le meilleur comme le meilleur comme le pire. Hein. Le monde d'avant n'est pas encore mort, le monde c'est d'après ça, n'est pas exactement. Encore arrivé. Et dans ce clair-obscur, des monstres voilà, peuvent naître, mais même si la formulation, la vraie phrase, elle est différente, je crois. Mais je pense qu'on est probablement dans quelque chose qui ressemble à ça. Il y a des potentialités, il y a des gens qui voudront de l'ordre et de l'autorité et de la protection. Et il y a des gens qui voudront autre chose. Ce qui est sûr, c'est que le modèle, en tout cas l'ordre du monde tel qu'on l'a connu, qui amène de l'argent à être dépensé dans les sphères financières plutôt que pour le bien des gens. Ce monde-là, il montre quand même ses limites. Je veux dire, ça fait quand même pas mal de temps que ça les montre, mais là, ça les montre à une échelle planétaire et ça les montre à tout le monde que ça ne marche pas. Et donc, il va falloir commencer peut-être à vivre autrement. Il va falloir peut-être être sur des territoires qui sont résilients. Je veux dire, demain, il faut dire, bah, comment dans un territoire on fabrique des masques, peut-être à l'échelle de la région Grand Est, prenons. Je veux dire, comment on fait en sorte qu'on ait des unités de production de masques, comment on ait des unités de production de blouses déperlantes ici et pas ailleurs. Comment on fait ça? Comment on fait en sorte d'être résilient sur le plan alimentaire? Comment on fait en sorte pour avoir... Et puis comment on fait en sorte, dans cette période-là, de prendre soin de ceux qui ont peu? Je veux dire, moi j'imagine, alors, moi je suis quand même privilégié, je veux dire, j'ai un métier pour lequel mon salaire a continué d'être payé. Mais j'imagine tous les gens qui sont indépendants, tous les auto-entrepreneurs, tous les gens qui étaient salariés dans des entreprises qui ont fermé. C'est quoi la catastrophe sociale qui va suivre, quoi? Et comment on va prendre soin de ça, quoi? Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui le plus, c'est pas tant cette crise sanitaire, parce que je pense qu'on viendra à bout, à plus ou moins long terme, mais on en viendra à bout. Mais par contre, c'est la crise économique et sociale qui se prépare ensuite, sur lequel j'ai plus de craintes. Vous n'êtes pas directement en contact avec des patients Covid plus, mais si. J'en ai été au début de la crise. Là aujourd'hui, non, aujourd'hui je suis à la régulation. Mais là où je veux en venir, c'est comment vit votre famille? Est-ce qu'elle a peur pour vous? Est-ce que vous utilisez des procédures de sécurité? Oui. Mais de toute façon, mes parents, je ne les ai pas revus depuis qu'il y a le confinement. Et puis après, à la maison, on fait attention. On fait attention le plus possible. Donc oui, il y a une crainte, les familles, les amis, voilà, qui disent voilà, qu'il faut faire attention. Et puis surtout qu'on a des collègues qui tombent malades. Donc
Il y a 450 personnels d'ESUS qui tombent malades. Ce qui sur 11 000, voilà, c'est pas un chiffre énorme, mais en période d'épidémie, c'est normal. Donc, c'est quand même 5%. Enfin, c'est... Oui, mais quand c'est des gens qui sont au contact des malades. Donc voilà, je veux dire, c'est pas étonnant. Je veux dire, c'est pas un chiffre qui m'effraye plus que ça. Oui, il faut vivre avec, quoi. C'est juste une autre manière de s'adapter et de vivre avec. C'est pas, si, moi, ça m'a pas tant. Il n'y a pas eu de la peur. Les seules peurs qu'on a pu avoir, c'est quand on a vu des gens qu'on connaissait nous-mêmes être dans des situations de détresse respiratoire. Ça arrivait l'une ou l'autre fois. Là, on se dit, bon, ça peut m'arriver aussi, quoi. Pour que les gens comprennent, juste, désolé d'être un petit peu trivial comme ça, mais est-ce que vous pouvez me décrire clairement ce que c'est une détresse respiratoire ? Une détresse respiratoire, c'est que la capacité, la capacité d'oxygénation sont réduites pour une raison simple, c'est que vos poumons n'arrivent plus à oxygéner correctement le sang. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez une sensation qui peut ressembler à une asphyxie qui va s'installer. Vous allez pomper de plus en plus rapidement l'air sans que ça vous aide. Et puis petit à petit, vous allez vous épuiser et puis vous n'allez plus avoir à respirer. Et puis au stade d'après, s'il n'y a pas de soins, on n'arrive pas à survivre, quoi. On meurt assez rapidement, quoi. Ça peut se mettre en place assez rapidement. Ce n'est pas une pathologie qui est propre aux pneumopathies Covid, hein. C'est des choses qu'on peut voir dans... C'est une symptomatologie qu'on peut voir dans d'autres maladies. C'est une pneumopathie virale. Quand on compare par exemple aux pneumopathies de la grippe qui peut présenter les mêmes symptômes, sauf que la grippe, maintenant on a appris à le traiter, il y a les traitements qui existent, il y a un vaccin qui existe, et donc son expression dans la population est moins importante, hein. Même si on meurt tout le temps, on estime à 15 000 personnes mortes par an par la grippe, de mort directe et de mort indirecte, hein. Ce qui est assez, ce qu'on a pu observer, c'est que il y a plusieurs phases, hein, et tout le monde n'est pas grave d'emblée, et que les éléments de gravité arrivent généralement au 7e jour ou au 10e jour, et que ces deux phases de la maladie, on va voir des patients qu'on a vus qui allaient bien, hein, se dégrader très très rapidement, et puis passer des symptômes qui étaient des symptômes de toux, de fièvre, de céphalée, de courbature qu'on a dans les maladies virales, arriver d'abord à une dyspnée, une difficulté à respirer qui s'aggrave peu à peu pour s'acheminer vers une détresse respiratoire. Que vous avez un message à passer ou... C'est continuer pour l'instant à rester chez vous, même si c'est difficile. Continuer à prendre des nouvelles de vos proches, à être solidaire de vos proches. Et puis souvenez-vous que pour pouvoir bien vivre ensemble, on a besoin de services publics et de services publics de santé. Souvenez-vous de ça pour après. Merci beaucoup.